Eh bien salut à tous, c'est Vox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là on est au Disney Studio pour le jour de repos. Et on va aller tout de suite à l'Avengers Campus. Parce que c'est l'endroit où il y a le plus de monde actuellement. Mais avant, regardez. Traverser d'ailleurs, je viens de remarquer, il y a encore l'affiche de Thor, hein, alors que ça a pu mettre celle de Wakanda Forever, mais bon, c'est pas grave. Je vois d'ailleurs que par contre, il y a Wakanda Forever sur les côtés. L'hôtel de la terreur. Et avant, on va regarder combien de temps ça met et on va essayer aussi de trouver Mini pour faire une petite photo. Alors, on est à. Fly Force ne marche plus. 70. Twilight 55. Waouh. On a 50. Crush Coaster. Bon, on va aller voir un Crush Coaster, hein, même si, à mon avis, ça va être mort. Hein, parce que Crush Coaster, c'est comme c'est la seule au monde, bah forcément tout le monde veut y aller. Mais bon, à mon avis, ça peut être de la tarte. J'ai vu 90 minutes. On va voir un simple. Mais ouais, on va voir quand même ça. Je vois 45 minutes, on va essayer de le faire. On va aller en simple ou sinon on va aller demander directement en premier access avec notre badge ID. Même si à mon avis j'y crois encore moins. Ouais, bon, ne tente rien à rien. On va quand même aller essayer. C'est que la voix a changé. La voix d'annonce pour l'attraction maintenant a changé. Bon, je trouve ça bizarre, mais c'est toujours les mêmes paroles. Et deuxième chose, regardez, les grilles pour aller à l'Avengers Campus, eh ben, elles étaient fermées en juillet-août. Et maintenant, on peut y accéder directement à l'Avengers Campus par ici. Du coup, c'est plutôt pas mal. Hein. Du coup, maintenant, on a vu direct sur web, alors qu'avant, du coup, avec les grilles, on voyait pas. Et du coup, bah, on arrive direct à l'Avengers Campus. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne chose. Et on pouvait pas y aller, et c'était, il y avait des fois des minutes d'attente pour y aller, mais c'est pas grave. Là du coup on va aller enfin sur l'Avengers Campus comme il faut, et je crois d'ailleurs qu'il y a Ant-Man. Et ouais, il y a Ant-Man. Voilà, si vous voulez faire une petite photo de passe avec Ant-Man. Et là on dirait qu'il y a un des spectacles, alors je sais pas si c'est les Gardiens de la Galaxie ou les Wakanda, à moins que ce soit Thor. Les files d'attente. Alors je sais que Fly Force a réouvert, mais on va essayer en premier access. Là sur web on est quand même sur du 70 minutes. Hein. Bim, bah ça sert à rien d'essayer, hein, c'est un restaurant. Hein.
À part... Ah, peut-être, attends, est-ce qu'il y a... Ah, on pourrait peut-être essayer de faire Pim. On va essayer Pim tout à l'heure. Bon, en tout cas, 55 minutes. Ah, ça vient de descendre à 55 minutes. Ouais, bah... ouais, bon, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va essayer de voir le spectacle. Et on va essayer d'aller faire Fly Force tant qu'on est là. Hein. On va le voir, s'il y a des magasins, etc. Bon, je suis juste devant Fly Force. Déjà, autre modification. Là, ici, il n'y a plus les banderoles. Parce qu'ici, il y avait des banderoles pour délimiter les Simple Riders avec les normales. Parce que de toute façon, après, ça ne change rien. De toute façon, on était d'après devant l'entrée. Mais là, du coup... On est quand même sur du 35 minutes pour du simple, hein. Donc on va peut-être rejouer, on va rejouer la carte de l'ID, hein. On va essayer. Allez, on va essayer de passer avec l'ID. Bon, je vais passer en première access, et du coup, on est direct. Welcome recruits, I am Friday, the facility's artificial intelligence system. Please be advised, we are currently experiencing a yellow alert. Quoi? Ne traînez pas, les amis. On a du pain sur la planche. Allez, allez, continue. Purge et rallume l'unité centrale et les générateurs auxiliaires. Okay, draining mainframe. Whoa, whoa, whoa! Je t'ai dit de rallumer aussi. Energizing. Ah, c'est mieux. Allez, on avance. Occupez toutes les places disponibles. On n'a plus beaucoup de temps. Analyse des panneaux escamotables. Retractable panels analyzed. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la source dans les répulseurs. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approved. M'appelle Carole. Contacting Captain Marvel. Are you ready? Si je suis prêt, c'est à moi ou vous parlez? We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way and we need your help. Ne vous inquiétez pas. J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être pris pour cible. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Flight Force. Votre mission, piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. You'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. He's loaded the transponders into his hypersonic vehicles. So you'll fly the hypersonics and draw the missiles away from the planet. That's when Heavy Metal and I can do our thing. Quand vous aurez attiré les missiles hors de portée, Denvers et moi, on les pulvérisera. Ils sont vraiment proches de la Terre, on n'a pas le droit à l'erreur. Unfortunately, Tony's right. We've got one chance to save the planet. So no pressure. Tout le monde a compris le plan? Alors ne traînez pas. En avant. Allez, sauvez le monde. Bon, je viens sortir de Fly Force et juste en sortant de Fly Force, il y a le spectacle des Dora Milaje qui vient de commencer. Et à votre entraînement pour faire de vous de véritables guerriers alliés du Wakanda. You can Alors, fait amusant. Là, le spectacle des Dora Milaje vient juste de commencer, mais ils ont dit une minute de silence à tous nos rois et tous nos reines qu'ils ont quittés. Bien sûr, c'est une référence à Wakanda Forever, vu que la reine et T'Challa sont morts. Après, c'est un merveilleux hommage. Je pensais pas qu'ils allaient faire quelque chose, je pensais qu'ils allaient dire aussi Black Panther, mais ils allaient dire Shuri. Et non, en fait, ils ont pas précisé qui, alors voilà. Bon, on va essayer de faire Fly Force. On va essayer de faire Web. Voilà. Sachant que là, que j'ai remarqué, dans Pink Kitchen, il y avait 100 réservations. Mais est-ce que sans réservation, il y a de la place? C'est ça la question. Parce qu'en vrai, s'il y a de la place, on va peut-être essayer ce soir.
cas, c'est, pour l'instant, c'est fermé, le sans réservation. Donc, sinon, bon, on va essayer de faire web. Hein. Bon, finalement, je suis passé un simple reader, hein, parce que ça affichait 10 minutes. Je ne voulais pas embêter en premier access. Mais du coup, on va faire un petit web. Ça, ça va être sympatoche. Artificial intelligence that keeps this place running smoothly. Thanks to funding from Tony Stark, the brilliant young minds here are creating cutting-edge tech. So today, you can sling webs like Spider-Man. And our host today has created his own real-time translation device to help you better enjoy the presentation. Have a great time on your visit to the Worldwide Engineering Brigade Open House. Nous vous souhaitons une excellente visite durant cette journée portes ouvertes de la Web Engineering Brigade. Et voici notre chef de projet, Peter Parker. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de Pym et StarTech. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speedboats, par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seuls? Parce qu'ils sont incroyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Slinger. Grâce à son processeur, vous lancerez vos propres toiles d'araignée, comme le poids Spider-Man. Peter, ta présentation est en train de t'échapper. Oui, j'arrête tout ça, chérie, et je te serai reconnaissant de lancer immédiatement les protocoles. Peter, il y a un petit problème. Ah, bah, si vous voulez lancer une toile, c'est simple comme bonjour. Vous tendez juste les bras dans la direction que vous voulez, et le tour est plus cool. Peter, si Spider-Man continue de se répliquer et dévore tout ce qu'il trouve sur leur passage. Ils ont l'air bloqués en mode auto-réplication. Tu pourrais essayer de gérer ça. Très bien. Je contacte M. Stark. N'appelle pas M. Stark. N'appelle pas M. Stark. J'aurais pas dû crier. Est-ce que tu pourrais appeler une autre personne? Oh, ok. Je contacte Spider-Man. C'est bizarre. Je vais appeler Spider-Man à la rescousse parce que je crois qu'il est dans les parages. Ok, au revoir. Spider-Man? As you may have noticed, the Spider-Man are multiplying and consuming everything in sight. Unless Spider-Man can stop them, they will destroy the entire Avengers campus. Malgré ce que vous voyez là, les Spider-Man ont été créés pour être des assistants robotiques, mais ils dévorent actuellement tout ce qu'ils rencontrent et se multiplient. Alors, si rien n'est fait, ils vont finir par anéantir le campus des Avengers. Mais bon, attendons de voir, rien n'est perdu. Bon, nous devrions être en sécurité juste à l'arrivée de Spider-Man tant qu'il ne plonge pas dans le fluide extraterrestre. The Spider-Man s'en cache à l'extérieur. Spider-Man, now! J'active les protocoles de niveau 2. Salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème d'arachide? Je vais vous aider. Te voici, super. Le risque est atteint le niveau danger exponentiel. Tu as peut-être besoin d'aide. Et si j'appelle les Avengers? Pas de panique, les amis. Je vais régler ça. Ok, la journée porte ouverte est annulée. Are you okay? Et je crois que j'ai besoin d'aide. C'est moi mon pilier. Chérine, prépare les véhicules Slinger. C'est comme si c'était fait. Allez tous vers les Slinger et on fera équipe pour empêcher les Spider-Boats de détruire le campus. C'est un jeu d'enfant. Ok, we have a plan. Head to the Sling vehicles and we'll team up to Sling Webs and stop the Spider-Man. Merci. This was the high one. No, this was.
Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, le focus est pas très bon, hein, c'est normal. Alors, du coup, j'ai terminé Web. D'ailleurs, Web, le première image plantée. Ça a pas marché du tout. Il n'y avait pas les araignées du tout, on voyait rien. Mais du coup, après ça, je suis allé à Pink Incheon. Et c'était vraiment très bon, j'ai adoré. Et c'est la première fois que j'y allais à Pink Incheon. J'ai déjà mangé deux fois à Stark Factory, c'était très bon aussi. Et là, du coup, ils avaient une petite place de libre pour pile l'heure que j'étais. Bon, j'avais pas mangé de la matinée, hein, donc manger à 16h30, ça me fait un peu mal au ventre. Mais bon, c'est pas grave, au moins on en a bien profité, c'était très bon. En plus, c'était pas si cher que ça, j'ai payé 37€ avec la réduction. Avant de perdre une rien folle focus, hein, on va essayer de refaire l'hôtel de la terreur. Hein. Là, je sais pas à combien de temps on est. Je crois qu'on est à 35 minutes, ça va m'aider à faire digérer. Puis après, sinon, ça sera plutôt pas mal. On est à 25 minutes. Bon, on va essayer de le faire avec les gens normaux. Hein. Allez, c'est parti. Ouais. La zone Ratatouille d'ailleurs qui est superbement bien décorée pour Noël. Je vais vous faire profiter de mes petites décorations. Regardez déjà au-dessus des petits chalets, on a des jolies petites décos. On est parti pour faire Ratatouille là pour digérer un peu. Bon, après l'hôtel de la terreur m'a bien fait digérer, hein, ça m'a fait plaisir. Et là, du coup, on va faire, ouais, il n'y a que 5 minutes en simple. On va tout de suite aller faire ça, Ratatouille en simple rider. Un jour, il faudra que j'essaye le bistrot chez Rémi. Et là, pour l'instant, on part pour Ratatouille pour cette petite fin de soirée. Allez, c'est parti. Ça y est, je suis rentré à l'appart. Bon, en fait, le petit raccourci, c'est que j'ai refait toutes les attractions mais en pause. Cette fois-ci, j'ai discuté avec les guests, les gens qui se promenaient. Et du coup, là, ça y est, je suis rentré, je me repose un peu parce que demain, grosse journée avec Samy, on va faire les deux parcs. Là, je suis resté juste au studio pour me détendre un peu. Hein. Et moi, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, liker et vous abonner. Allez, salut! Et coupé.